Et on se retrouve pour un nouvel épisode de Batman Arkham Asylum. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi le dernier épisode, j'ai dû arrêter pour une raison simple, c'est que je n'ai pas réussi à passer un parcours spécial dans cet endroit. Et peut-être est-ce dû à l'angoisse de l'épouvantail qui peuvent nous repérer à n'importe quel moment, mais je me suis senti un petit peu oppressé et malheureusement j'avais pas trouvé l'endroit. Après j'ai regardé un petit peu plus de manière à tête reposée, de manière plus calme on va dire. Et finalement, j'ai enfin réussi à savoir comment le faire. Cette méthode, elle est simple, précise, justement, je vais vous la montrer. On peut voir d'ailleurs justement comment, eh bien, on ne doit pas se faire opérer l'épouvantail, justement, à ses yeux qui sont rivés sur nous. Et nous, justement, nous sommes une proie facile. Nous sommes justement l'épouvantail qui est notre esprit. Et si jamais l'épouvantail venait à nous repérer, l'épouvantail détruirait tout simplement notre esprit de part en part. Bon, allez, on va continuer directement, pas mal. Arrêtons quand même les moments assez... tragique à là justement. Ouais voilà, je me suis fait repérer. Et malheureusement, bah, puisque c'est comme ça, je vais devoir faire un try. Et au bout de la peur, il y a l'oubli. Et oui, malheureusement, j'ai voulu prendre un petit peu de risque en essayant bien évidemment d'aller assez vite. Et malheureusement, ça n'a pas été fructueux. Allez, on va continuer. Ah, ça arrive. C'est d'ailleurs ma... Allez, on va être honnête, c'est ma deuxième mort dans Batman Arkham Asylum. La première, bien évidemment, je voulais pas montrer parce que... j'ai arrêté la capture auparavant. Hop, alors, on se dépêche. J'ai réussi du premier coup de tout à l'heure et maintenant je peux faire repérer. Ça arrive, évidemment, hein. Tout le monde n'est pas infaillible. Hein. J'espère en tout cas que vous appréciez, comme je le dis très souvent, le let's play et tout ça. Et on va essayer de se dépêcher. Est-ce que je vais réussir à passer avant qu'il fasse son tour complet? C'est bon, magnifique! Donc là j'étais là justement. Et si vous vous souvenez bien, je n'arrivais pas à savoir comment passer par-dessous. Et en fait j'ai regardé le mur et ça m'a fait tilt. En fait le mur est très simple, il faut prendre le gel explosif. Utiliser le gel explosif et retourner vite fait parce qu'on va se faire repérer. Ah voilà, c'est bon. Utiliser ça et après casser le mur. Et là juste après on nous regarde, on nous observe. Et là malheureusement l'épouvantail ne nous a pas repéré. Faire attention quand même aux lumières parce qu'on pourrait se faire attraper. Même si je ne pense pas qu'il nous refrappera justement dans cette situation. Alors c'est bon, tu t'en vas un petit peu. C'est bon ? Ah, fallait avancer, je ne savais point. Je pensais bien sûr qu'il fallait faire comme si de rien n'était. Et justement là, on va récupérer l'utiliser justement le spot de Batman pour pouvoir sortir justement de ce cauchemar. Et à ce moment là on va se rendre compte et eh bien que l'épouvantail, voilà l'épouvantail qui est ici. Alors l'épouvantail que l'on le voit là, voilà. Brutalisé dans son enfance, Jonathan Crane jura de surmonter ses peurs en étudiant la psychologie et la biochimie. Chassé de l'université à cause de ses expériences des sujets humains, Crane adopta ensuite l'identité de l'épouvantail, s'arma d'un gaz spécial qui exacerbe les phobies les plus profondes de ses victimes. La terreur continuée suscitée par ce criminel fait de lui l'un des ennemis les plus dangereux de Batman sur le plan psychologique. C'est vrai, vous avez pu voir à quel point, moi qui tiens la manette, j'étais pas du tout tranquille, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et ça, c'est vrai que c'était assez angoissant. Ah mais là, on peut toujours aller voir les données, donc criminel professionnel, World Finest Comics numéro 3, 1941, donc expert en psychologie et en chimie, créateur d'un gaz terrifiant motivé par un besoin obsessionnel d'effrayer les autres. Et moi je soupçonne quand même qu'il sait qui est la véritable identité de Batman, parce que s'il a pu détecter les... Bruce, voilà. Oracle, je vais bien. Qu'est-il arrivé? J'ai perdu le contact. Vous êtes sûr d'aller bien? Vous avez trouvé mon père ? Je vais bien. J'ai eu une petite dispute avec l'épouvantail, ça m'a ralenti. Petite dispute ? Je vais bientôt vers vous. Allez, on va se dépêcher. Ah, tout à l'heure, j'étais complètement bloqué. Alors, peut-être est-ce dû au stress aussi. Comme quoi, vous voyez, le jeu nous sort dans les tripes. Et justement, on a des petites flèches. C'est quand même un piège, quand même. Vous avez des flèches qui vous disent, allez là-bas. Moi, je les suivrai pas. Mais bon, d'un côté, on n'a pas tellement le choix. Mais regardez ce qu'il y avait le commissaire Gordon. Pardon. Le gaz de Crane m'a sûrement plus affecté que je ne l'imaginais. Et voilà, donc c'était le gaz de Crane. Petite chauve-souris,
Tu as du mal à faire la part entre ce qui est réel et ce qui n'est qu'une invention de ton petit esprit tordu. Moi, c'est pareil. Fais avec, Batou. C'est plus facile quand tu abandonnes. Vraiment. Ouais, mais attention, attention, on va continuer. Et voilà. Allez, hop. Hop, petit coup par là. J'adore les systèmes de combat de Batman, même si certains diront, et je serai pas totalement d'accord, je serai totalement d'accord avec eux, c'est vrai que c'est parfois un petit peu redondant. J'adore la voix du Joker. Allez, hop, voilà. Est-ce qu'on peut, ça se calme un peu plus là? Mais hop, comme ça. Allez, on va passer par là peut-être. Quelque chose par là. Je ne le sais guère. Ah, je suis pas loin de monter encore d'expérience. C'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Carte. Ah, ça semble être... Il y a l'ascenseur. Qu'est-ce que c'est ça? On va essayer d'y aller. Ah, bah la porte est fermée, donc on va faire demi-tour. Allez, hop, on y va. J'adore quand le jeu est fluide, ça prouve quand même que c'est quand il n'y a pas que des moments où ça bug. Parce que franchement, quand ça bug, je me sens un peu bête dans l'histoire, parce que j'essaie de vous montrer un truc bien, et quand ça bug, je me sens un peu con. Mais bon, après, hein. Oh, attention. Ah, l'épouvantail, moi, c'est un personnage qui à la fois me fait m'effrayer et à la fois me fascinait. Il faut quand même chercher quand même ce personnage-là. Allez, ouvrez la porte. J'aperçois ton cher commissaire de police dans mes jumelles. Regarde. Allez, amélioration. Bah, juste... Attends, on va voir. Allez, à pour ordre de tuer le vieux. Si l'un de mes hommes pense que tu es dans la salle, il patrouille en bas. Je leur ai dit que tu étais en route. D'accord. Voilà le marché. Si tu arrives jusqu'à Harley sans qu'ils s'en rendent compte, je te donnerai ton prochain cadeau. Échoue et le vieux bonhomme meurt. Tiens, je te donnerai même Harley, peut-être. Tu pourras avoir besoin d'un nouveau partenaire. T'es vraiment sadique, toi. Bon, sauver Gordon sans se faire repérer. Alors, on va espérer que ça marche. On va un petit peu améliorer notre... alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Batarang télécommandé. Donc, ça va faire vraiment au plus bon précis. Détonateur multifréquent permet de déclencher le gel explosif de façon sélective. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ça va nous aider, justement, à pouvoir étourdir nos ennemis. Allez, on va avancer. Attention, attention. Il n'y a rien. Laisse-moi deviner. Si j'avance un peu trop là, je me fais repérer sur le second même. Il va y avoir une vitre. Donc, hop, on va ouvrir la porte qui est là. Discrétion sera maître de sûreté maintenant. Et regardez justement, Harley Quinn se tient ici. Regardez par ici. On va aller tout doucement. Et Harley Quinn est là avec le commissaire Gordon. Et on va avancer. Allez, on va descendre. Le Joker ne plaisante pas. Il ne veut pas que Batman récupère le vieillard. Si quelqu'un s'en approche, c'est pas moi qui porterai le chapeau. D'accord, pas de problème. Bon, une casquette alors. Je ne laisserai rien passer. Batman sera un homme mort. Et je sais. Alors, c'est une partie que j'ai tendance à foirer parce que bah, malheureusement, c'est assez difficile. Allez, maintenant, il faut ouvrir cette porte. Il a le bon... Enfin, falloir espérer que je m'en sorte du premier coup. Le commissaire meurt si l'un de vous repère l'autre taré de chauve-souris. Quand c'est le cas, Harley tue le vieux. Une grosse récompense attend celui qui le verra en premier. Voilà, donc voilà, on est ici. Ah, lui, je pense qu'on peut l'avoir en derrière, lui. Ça en fait un. Je parle doucement, mais bon, on va se faire repérer quand même. Direct, ce vieillard va siffler dessus. Qu'on m'apporte un saut. Il est là-bas. Est-ce que je peux... Ah, attention, attention. Ouais, quand même. Je me disais bien qu'il fallait que je passe par là. Alors attention, parce que là, ça, je pense qu'il n'y a pas la possibilité Monsieur de pouvoir... Il pouvoir avancer dans les airs. Donc je vais essayer Fermez de... Fermez votre clapet, espèce de... Vous ne vous enfuirez pas comme ça. Élimination silencieuse pour lui également. Ça en fait le deuxième. Attention parce que je peux me faire repérer à n'importe quel moment. Attention. Oh putain. Ah, j'ai cru qu'il y avait un ennemi. Il y a quelqu'un par ici. Harley tient le vieil homme là-haut. Aïe, malheureusement, ouais, c'est ce que je pensais. Je ne dois en aucun cas
sentir une présence. C'est encore pire que ça. Ouais, malheureusement, c'est ce que je pensais. Oh, fastoche. Je t'ai coupé les ailes comme un simple poulet. Bonne nuit. Ça va pas être simple, cette partie-là. J'ai pas commencé à dire on va faire ça pour la prochaine fois. Non, mais oh. Vous allez finir par croire que c'est mon stratagème quand j'arrive pas à passer un niveau. Harley, tiens le vieil homme là-haut. Vous voyez la chauve-souris ou quelqu'un d'autre rôdé, il meurt. Allez, on passe par là. Le problème, c'est que il faut être très vigilant. Et vous voyez quand même, là, je me suis fait repérer vraiment comme un bleu. Allez, hop, ici, on va prendre ça. J'ai pas le droit en plus d'utiliser mes gadgets, puisque si jamais... On va regarder juste par là. Je suis passé par là tout à l'heure. Ah, c'est du dead and try, enfin c'est du try and die, enfin die and try en fait. C'est on essaye. Il y en a un là-bas. Monsieur J va battre Batman. Je peux toujours ouvrir. Je peux bien sûr ouvrir toujours la grille. Ça posera pas de problème. Allez, il y a pas de compte à rebours de toute façon. Alors est-ce que comment est son cycle de passage à lui? Je suppose que, bien évidemment, si jamais je venais à sortir maintenant, je me ferais repérer. Le commissaire meurt si l'un de vous repère l'autre taré de chauve-souris. Quand c'est le cas, Harley tue le vieux. Une grosse récompense attend celui qui le verra en premier. Là, il est là. J'ai pas envie d'y aller, là, en fait. Je peux faire un peu de me faire repérer. Allez, on va tout de suite s'occuper de lui. Je pense que lui, ça sera bon. Quel dommage qu'on puisse pas transporter les cadavres. Ça pourrait régler pas mal de problèmes. Je suis pas sûr qu'il soit d'accord, mais bon, après, hein, tu sais, le mariage. Hein. Allez, on voit un autre. Merde, je vais me faire repérer. Vous savez, vous devriez vraiment vous teindre les cheveux. Non, je me suis pas fait repérer, je ne sais même pas comment j'ai pas réussi à me faire repérer. Allez, on va faire le tour. J'espère qu'il y a personne là-bas. C'est bon, c'est bon. Vite. On va avancer. Ah ! Voilà. Il en reste plus qu'un. Je suppose que Harley Quinn est la dernière. Comment je vais faire pour monter sans me faire repérer? Je suppose que si elle me voit, elle le sent aussi. Ça m'étonnerait. Ah, peut passer par là. Bon, bah on passe par là. On va pas prendre de risque. Mon Joker ne laissera rien de mal m'arriver, les gars. Tu es sur ton coup là? C'est simple, ça donne pas envie. Alors comment l'as-tu trouvé? Grâce au gros point d'interrogation vert brillant. Chevalier silencieux. Comment je vais faire pour... j'ai une idée, mais j'ai pas confiance. Comme ça, oh bah c'est simple. Et voilà, Batman qui arrive à la rescousse. Vous avez mis pas mal de temps. Bah écoute, hein, je traînais par ici, je passais par là. Je ne sais pas si je pourrais l'arrêter cette fois. Vous y arriverez. Batman, écoutez, on n'est pas seul. Il y a quelque chose d'autre ici. Je ne sais pas ce que c'est. Quel sale bouchard! Il gâche la surprise! Tais-toi. Oh, je t'ennuie peut-être. Oui. Je sens que tu vas adorer la suite. Mais j'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il veut l'identifiant du docteur Young. Ce n'est pas important. Passez derrière moi, vite. Bane. Oh, Bane. Également un super vilain de Batman, bien sûr. Je croyais qu'il avait vu Black Gate. Eh ben c'est pas trop le cas. Mais qui t'a fait ça? Le docteur Young, la bourra. Elle a pompé le venin dans mon sang. Il faut l'arrêter. Désolé, petit Bailey. Ce cher docteur ne sera bientôt plus un problème. Vous aimez ma marionnette? Et si on le libérait? Oh, le pompage. On a l'impression qu'on va avoir de sacrés problèmes.
Bon bah c'est le premier boss du jeu, c'est pas mal. Ou alors, attention par dessus, ouais, ouais ça c'est bien, vas-y maintenant. Allez, voilà une droite, encore un autre. Attention, oh, attention, non Batman, non Batman, non résiste, résiste. Malheureusement, oh, ça fait mal ça. Ah bah écoutez, c'est la vie. Et là par contre, la salle des chaudières. Il va falloir le premier boss dans Batman Arkham Asylum. Attention, attention. Et comment on fait pour l'attaquer lui? On tape dessus? Oula, oula, non, 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 non. Je vais pouvoir l'attaquer, il est énorme. Oula, aïe, ça fait mal ça, eh oh. Ah peut-être, ah je sais peut-être comment. C'est une idée. Comme ça. Non, non, eh oh, eh, qu'est-ce que tu fais? Non, 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 pas comme c'est pitié. Non, pitié. Non, non, ça fait mal ça. Tu ne m'échapperas pas. Bah écoute, j'ai pas demandé de t'échapper, hein, mais bon, il faut quand même que tu... Oh, attention. Aïe. Oh mais c'est pas vrai. Allez, je te craserai cette fois, Batman. Oula. Oh, je suis quand même en train de soin. Ah bah attends. Ah bah la rock rapide, mais non. Oula. Ah faut que j'utilise le RT. Okay. Ok, c'est parti. Allez viens. Oula, non 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 pas, viens pas, non viens pas, non viens pas. Je vais te faire jouer, je vais me faire tuer. Bien. Je me surprends quand même parfois des fois. Eh bah ben, ça serait mieux. Hein. Ah enfin j'ai compris. Non. C'est pas facile. C'est pas facile de s'appeler Bane. Ah il faut lancer en même temps. D'accord, ok j'ai compris. Ça avait l'air un petit peu compliqué, je me suis pris la tête pour pas grand chose. Allez viens, allez viens, andale, andale, andale. Et voilà, andale dans le trou, allez hop, dans le mur. Et voilà, ça en fait un deuxième. Peut-être que je tape tout. Ah je me disais bien qu'il fallait qu'on joue. Et voilà un petit 1 qui est parti. Je peux recharger un peu de points de vie s'il vous plaît? Non, pas non, vous êtes pas intéressé. C'est ce que tu sais faire de mieux, Bane. Oh oh, oh oh. On va revenir un petit peu. Donc si c'est un peu quand même pareil, ça va être assez simple. Je suis quand même vachement bon niveau point de vie. Attention quand même parce que eux ils sont assez casse-pieds. Yo, et voilà, je me suis fait tuer. Non, c'est bon, je suis encore là, encore là. Je sais pas comment j'ai fait, mais je suis encore là. Alors c'est tout. Quasiment à l'article de la mort. Et malheureusement, c'est ce que je pensais. Je commence à aligner les morts quand même là. Ça commence à devenir assez casse-pied. Bon, là, j'ai compris comment fallait le tuer. Et toujours à un moment donné, il faut toujours un peu réfléchir à comment tu fais. Et voilà, ça y est, je viens de le trouver. Allez hop, voilà, on fait la même technique. Allez bien. Andale, andale. Allez, prends-toi le bon mur. Et voilà le travail. Voilà. Et a priori, là, il faut que j'aille directement sur lui. Pour lui mettre un petit coup. Et enlever justement une de ses protections. Ah, si j'avais deviné. Enfin, en tout cas, ce qui est bien, c'est que quand on est un petit peu bloqué, eh bien, l'ordinateur, enfin, l'IA vous aide un petit peu en vous disant ce qu'il faut faire. Ok les gars. Ah ah oh oh. Ils sont où les gars? J'aurais pas me tourner le dos quand même. Et voilà le travail. Oh bah ça fait mal dis donc. Oh ça fait mal ça. Ah utiliser bien sûr cette nouvelle technique de grande école hein, s'en prendre bien sûr aux membres les plus endoloris. Ah malheureusement j'ai voulu m'occuper d'eux. Comment t'as osé m'appeler Batouné? Y'a que le Joker qui va m'appeler Batouné. Bon attention, attention, je crois qu'il y a plus personne. Y'a plus personne, je suis un peu tranquille. Allez, Batouné, quel tir! Allez hop, voilà. On va en faire un autre. Et a priori là, je vais devoir y aller à nouveau.
Ouais, aïe. Et un petit deuxième pour la route. Oh. Il est en train de faire son tir à la Rinda Mormi. C'est un peu ironique, je veux dire. Pardon. Oh, je me suis pris un petit coup. Bon. Moi, c'est devenir assez dur quand même. Hein. On sent que c'est le boss. Hein. C'est le premier boss. Il est pas sans plainte quand même. Ah bah oui, mais moi je suis Batman, je suis n'importe qui. Allez, petit dernier. Très nombreux. Elle reste là-bas quand même, parce que là je crois qu'il va aller chercher encore un gros caillou. Magnifique, le coup directement là-bas. Allez. Allez, magnifique. Et on pousse un bon petit coup. Oui, je sais, j'ai un humour pourri, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Il y en a qui ont le mignon, il y en a qui ont des humours pourris. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Chacun ses problèmes, quoi. Hein. En plus, moi, je suis pas beau, j'ai pas d'humour. Ça va pas être simple hein, dans la vie. Hein. Mais je suis quelqu'un de très gentil, c'est ce qu'on me dit. Je comprends. Ben, par contre, je sais pas, il est musclé, mais le problème, c'est qu'il a plus rien dans la cabeça. Ah, il faut que j'aille le chercher. Et voilà, et logiquement c'est terminé. Allez, ça fait troisième. Est-ce qu'il faut utiliser des QTE ou pas? Non, c'est bon, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Et voilà, notre cher ami Bane, à trépas. Il bat le grappin pour s'en aller. Et on sort toujours par les égouts, hein. Ah bah dis donc, si les boss de Batman Arkham Asylum sont comme ça, on va vraiment s'amuser. Pas de bobo. Batman, ça va? Ça va. Ah bah écoute, oui. Je viens de me battre contre Bane. Hein. Elle a dû s'enfuir pendant que Bane vous balançait partout. Tu fais pas dire. Il faut qu'on vous sorte de cette île. Je ne suis pas un bleu. Je sais me protéger. Tu crois ça? Oh, décidément. Ils sont têtus les... Oh non, ah non, arrête. Je te briserai, Batman. Et ensuite, la brouhaha. C'est quoi la brouhaha? Cette fois, c'est mon tour. Oh, attention. Bon bah, faudra aller chercher la Batmobile. Est-ce qu'elle sait nager, la Batmobile? Tournez sur le continent, c'est trop dangereux ici. Je ne veux pas vous laisser ici. La radio dit qu'il a semé des bombes dans tout Gotham. Si c'est vrai, vous devez y aller. On est prêt à y aller, monsieur. Bon bah... Bane a traité Young de brouhaha. Ça veut dire... Quoi? Sorcière, en espagnol. Bon, on est au courant. Donc voilà. Oracle, piratez les ordinateurs de la ville. Rassemblez tout ce que vous pouvez sur le docteur Hugh. J'analyserai tout ce que vous aurez trouvé une fois arrivé dans la grotte. Une Batcave sur l'île d'Arkham? Eh oui. Construite il y a des années. Mieux vaut être prévoyant dans de telles situations. Comment avez-vous réussi à la tenir secrète? C'est moi, rappelez-vous. Quoi, le docteur Hugh aurait fait des expériences avec le venin? Le même produit qui a transformé Bane en cet animal? Oui, je suis inquiet. Bane semblait plus puissant que d'habitude. Le Joker veut le venin, et ça ne peut que nous amener des problèmes. Eh oui. Je me rends au point de l'homme mort, dans Arkham Nord. Je vous contacterai quand je serai dans la Batcave. Eh oui, c'est étonnant, mais regardez. Eh oui, Batman a construit une Batcave dans l'asile d'Arkham. Et si vous voulez savoir où elle se trouve, il faudra suivre le prochain épisode de Batman Arkham Asylum. Allez, à la prochaine.